class, we can begin. My name is Helen Soltra. I'm director of the French and Francophone Center, and it's a delight to welcome you here and to have the opportunity together to welcome one of our remarkable group of media fellows who come to us to Duke campus, thanks to the DeWitt Center for Media and Democracy that is directed by Lori Bly. To get us started, a few words, and you will see we'll have this a completely open session, a free-for-all, which will also include language in order to facilitate the discussion and actually to help our guest, Olfo Riahi, ease her way into our brand of multilingualism, going from English into her French and Arabic, thanks to the presence of a number of our Arab Studies colleagues, particularly Miriam Cook. So I thought to get us started, a few words actually from another Duke partner, I would say. Writer, Franco-Tunisian, journalist with the radio station in France, France Culture, Colette Felouz, who visited us a number of years ago. And this is what she says in a book that she brought out last week. I'll begin with the original. Devant ce grand rectangle d'eau à Sidi Bou Saïd, je rends complice Roland Barthes de tout ce que je vois, de tout ce dont je suis témoin au cœur de cette Tunisie en grande métamorphose depuis le 14 janvier 2011. Oui, devant ce grand rectangle découpé dans la Méditerranée, sur cette terre de naissance dont je ne veux pas me séparer, je compose ce livre pour lui rendre hommage et pour le remercier de m'avoir aidé à préparer ma vie depuis le jour où il m'a dit, amical et affectueux, « Vous savez, vous avez le droit de dire « je ». » In front of this huge expanse of water at Sidi Bou Saïd, I ask Roland Barthes, the critic, the writer, to be my accomplice in everything I see and observe, in everything that I am witnessing here at the heart of Tunisia, this country in the throes of huge change ever since the 14th of January 2011. Yes, in front of this huge expanse of water cut off from the Mediterranean, I am building this book, and I'm doing so to pay him homage and to thank him for having helped me to prepare my life. Ever since the day he said, as a friend, affectionately, you know, you have the right to say I. I'd like to thank Colette Felouz for making this possible. Unlikely, the serendipity of introducing Olfo Riahi to us, and for the first time here in the States, in Duke, in Durham, in North Carolina. She comes to us from Tunis, an ancient city in the Mediterranean, and a very new political space for the freedom of speech, where she is active on the front of investigative journalism in the fledgling Second Republic of Tunisia. She's also coming to us from Strasbourg, where earlier in the month, at the European Court of Human Rights in Strasbourg, she participated in a debate organized on the occasion of the World Day of Women. And she arrives to participate for the next 3 weeks in the program that I mentioned of Media Fellows. So what I think might be the best format, the easiest, most playful, most probing for all of us, is to proceed as we've just begun, across languages. And we'll begin, I'll take the lead, by asking Olfa to tell us a little something of her experience and her training as a journalist, as an investigative journalist, particularly having launched a blog, To Be Good Again, I'm curious about that name, To Be Good Again, in the context precisely of the remarkable events of the last 3 years, of which I'm sure she will give us her own take. So let's begin again in French, and as the conversation develops, and remember, everyone, please chime in with your questions as you see fit. I'm counting on Miriam Cook, particularly in relation to today's Arab and Islamic world. And we'll be sure to handle the translation, working from French and Arabic, so that those also will have entrance into English summaries. Donc, pour recommencer, la bienvenue à Olfo Riahi.
J'aimerais bien qu'on commence justement pour une question toute simple, j'allais dire même bête. Si vous pouviez en effet nous parler de votre parcours de journaliste, et notamment d'enquêteuse, voire blogueuse, dans le cadre des événements de ce dernier temps en Tunisie. D'accord. Alors tout d'abord, je voulais dire que je suis très heureuse et très honorée d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je pense que Hélène a fait la partie remerciements, donc je ne vais pas le refaire, mais je tiens à dire quand même que je remercie toutes les personnes qui ont été citées par Hélène, et je remercie Hélène et puis Laurie, merci beaucoup. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui, d'être venue pour m'entendre et pour débattre avec moi. Je m'arrête pour la traduction, je ne sais pas comment on va faire. You can probably gauge that was the second thank you to many people, especially including Laurie. Voilà. Et je m'appelle Olfa Riahi, j'ai 32 ans. Je n'ai pas un parcours journalistique commun en Tunisie parce que j'ai été étonnée en arrivant à Duke de voir que, et en arrivant aux États-Unis, parce qu'on a eu la chance la semaine dernière de partir à New York et de partir à Washington pour faire une petite tournée dans les médias, les mainstream en général. Et j'ai vu qu'ici, il est tout à fait normal académiquement de faire des études autres que le journalisme, donc des études spécialisées, et puis de rajouter une formation journalistique pour devenir journaliste, ou peut-être même ne pas passer par la formation journalistique et d'apprendre sur le tas. En Tunisie, oui. 32 years old, she doesn't particularly have a training in journalism. So when she came to the States, arriving for the first time a little more than a week ago, she was really struck by the fact that here in this country, given especially that she had the opportunity to meet some mainstream journalists in New York, that there is instead the tradition of a straight, deliberate, complete training in journalism before entering that world. Et alors moi j'ai fait les hautes études commerciales, l'IHEC en Tunisie, qui est la plus grande école de business studies en Tunisie. Donc c'est une école réservée à l'élite. Donc j'ai eu ma maîtrise en commerce international en 2006 et j'ai tout de suite monté mon entreprise, j'avais 24 ans. C'est le premier centre de services linguistiques en Afrique du Nord et on est spécialisé en traduction, en sous-titrage et en interprétariat. She comes instead out of a business school training, having graduated in 2006, and she notes that in fact it is an elite school based in Tunis. And quickly thereafter, she established her own business, a first in North Africa, which is a translation, or rather a multilingual business. Et quelles sont les langues? Alors, what are the languages involved? Voilà. Arabe, anglais, français, italien, espagnol, allemand, russe, chinois, portugais. Voilà, on travaille dans 13 langues différentes. Et on a eu la chance et on a beaucoup travaillé pour ça, pour travailler sur des marchés internationaux, ce qui était une première pour nous en tant que jeunes Tunisiens. Et donc, on a travaillé même sur des marchés aux États-Unis avec, par exemple, Oracle pour traduire le logiciel de finance des marchés, HR Access. Donc, on travaille vraiment sur de très, très gros projets de traduction qui peuvent aller jusqu'à 3 millions de mots, 4 millions de mots, ce qui était vraiment, et qui est toujours aujourd'hui une très belle expérience pour des jeunes comme nous. The laughter says it all. 13 languages, I'm guessing you got a sense of most of them, perhaps the most surprising, Russian, Polish, involving quite a variety of ambitious projects, up to 3 million words, and chime in, remember with translation, all of us partake. Yes. Ma question est, vous faites tout ça à la main ou juste avec votre cerveau ou est-ce que vous utilisez des machines? Do you use machine translation aids or do you do it all by hand? Oui, c'est la traduction assistée par ordinateur. Donc on est certifié entre autres Trados pour la traduction, donc Ayato pour le sous-titrage. Et c'est en ça que le centre est très particulier en Nord-Afrique parce qu'on est habilité à nous aligner sur les conditions de qualité pour entrer sur des marchés comme ça. Voilà.
So, of course, the thorny question, is it mechanically driven as a translation process through word processing, or is it done individually and they are validated and authorized to be working actually with the advantage of certain programs? Voilà. Et donc, c'est par pur hasard que en 2010, donc un an avant le déclenchement du printemps arabe, un de mes professeurs, qui était en train de monter la première radio économique en Tunisie, m'a proposé, vu que j'étais, en fait, je suis une scientifique, j'ai fait les mathématiques, mais j'avais un côté littéraire très développé, ce qui m'avait permis, entre autres, de participer au lancement du premier site français en web 2.0, qui était spécialisé dans le buzz, et il s'appelle Minute Buzz. Et donc, j'étais la première Tunisienne à écrire pour ce site et à participer à son lancement, et tout s'est fait sur Internet. In 2010, so in effect, not long before the insurrection at the end of the year, at the beginning of the so-called revolution, her professor proposed to her that she be involved in what was the first radio station in Tunisia, economically oriented. And it was the first site launched in French and was linked to Web Zero and linked also to a site called Minute Buzz. Alors, c'est pas exactement ça. Voilà, mais parce que j'ai. On improvise, on rectifie, we'll improvise, we'll correct one another. Le site web Minute Buzz est un site français. Et j'écrivais pour le site, le contact s'est fait via le net et j'ai été prise pour le lancement de ce site. Et comme mon professeur lançait sa radio, il m'avait demandé. D'aider la radio avec le site web de la radio, vu que j'avais cette expérience de Minute Buzz avec la France. Ce que j'ai accepté, donc pour passer par le chemin officiel, j'ai dû envoyer mon CV quand même. Et là, la directrice d'antenne de la radio a repéré mon CV et m'a contacté pour le poste d'animatrice radio. Et c'était vraiment un pur hasard parce qu'on m'appelle, on me dit voilà, vous avez postulé pour le poste d'animatrice et tout. Je leur dis non, là il y a un problème, je n'ai jamais postulé pour le poste d'animatrice radio. J'étais vraiment à mille et un lieues d'image. Je peux m'imaginer un jour dans le média ou le journalisme en fait. Je me projetais dans la production peut-être audiovisuelle, donc à travers le sous-titrage et après passer à autre chose, mais jamais dans les médias. Et trois points de suspension. Three dots. So, she rightly corrected the distinction between what is the French-based Minute Buzz site and the new version of it that was being launched in Tunisia, in which she was involved thanks to the encouragement and advice support of her professor. So much so that, in fact, she was then proposed to be the animatrice, the presenter, the anchor of this particular show. She said, wait a minute, this is not my milieu, this was not my background, I never asked to be given this kind of post, but she accepted it nonetheless, getting involved then in the ground level work of subtitling. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait même aller plus loin maintenant en pensant les événements que certainement vous avez suivis de très très près en tant que chroniqueuse, en tant que journaliste. Animatrice. So if we move on then to a little later at the end of 2010, at the moment of the insurrection. Voilà, et donc ça a été cette chance-là, vu que quand les événements se sont déclenchés, j'étais à la radio et j'animais l'émission quotidienne donc de midi à 14h qui traitait de l'actualité. Étant donné que j'étais nouvelle dans le milieu, donc je n'avais aucune idée en fait de la censure qu'on pouvait avoir en Tunisie sur les médias. Et étant donné mon appartenance à une classe sociale assez privilégiée et à l'école dans laquelle j'ai fait mes études, j'appartiens toujours à une classe assez bourgeoise. Donc j'étais complètement déconnectée de la misère du pays, dans les régions intérieures du pays. La politique ne m'intéressait vraiment pas en Tunisie. Je trouvais quasiment
justificatifs et des arguments au régime quand on me disait qu'on vivait dans la dictature. J'étais vraiment élevée à la culture de l'excellence, où je disais que oui, mais dans mon pays, quand on est excellent, on peut y arriver. Quand on travaille beaucoup, regardez-moi, je travaille 20 heures par jour, donc voilà, j'y arrive parce que je travaille. Les autres, s'ils n'ont pas de travail, c'est parce que ils veulent pas travailler. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là. Oui. 3 points de suspension. Donc, she began to work for a daily program that did the news at the noon hour. And there she discovered censorship, state censorship. She admits quite openly she sees herself coming from an extremely privileged or quite privileged background. She calls herself coming from a bourgeoisie. And so from that vantage point, she admits freely that she was entirely disconnected, indeed even alienated, from the daily circumstances, certainly of populations in the interior of the country, so that she actually would speak opinions that may have sounded bourgeois. Because she came from a world of high culture. For example, what would she consider to have been a bourgeois statement? Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un discours bourgeois, c'est-à-dire votre optique à ce moment-là? Justement, c'est ça. Par exemple, quand on parlait du chômage et des chômeurs dans mon pays, je disais que oui, mais ils sont au chômage parce que ils ne veulent pas travailler. Regardez-moi, j'ai monté ma boîte à 24 ans. Je travaillais vraiment beaucoup. Hein. Il m'est arrivé une fois de ne pas prendre de week-end pendant 8 mois. Et pour moi, voilà, c'était on travaille, on vit bien, on ne travaille pas. Et je ne comprenais pas que le système pouvait être responsable de tous ces chômeurs-là, jeunes, qui avaient mon âge. The red letter question, of course, of work and unemployment. So she said, look, at age 24, I started my own business. I haven't taken a weekend off in months. I don't understand how many unemployed people there are in the country. There's a discrepancy here. Et le 17 décembre 2010, je m'en rappelle très très bien, je venais de quitter la radio et puis j'écoutais, vous savez comment on est, quand on appartient à une radio, on écoute la radio même quand on la quitte pour voir un peu ce que font nos collègues. Et je me rappelle que Emna Benjamin elle animait une toute petite chronique de 5 minutes pour parler des sujets qui étaient, ça s'appelait hashtag, qui étaient vraiment très en vogue sur Twitter, sur les réseaux sociaux chaque jour. Et là, il y avait un tweet qui parlait de Mohamed Bouazizi, un jeune qui s'est immolé à Sidi Bouzid. Et elle a tout de suite repris le tweet et en a parlé sans vraiment avoir d'autorisation ou parce qu'elle avait la flexibilité dans son émission de parler de tout ce qui se présentait devant elle à l'écran. Et j'étais en train de conduire ce jour-là, je m'en rappelle très très bien, et j'entends qu'un jeune s'est immolé par le feu. Oui. She remembers very, very well on the 18th of December, and it was particularly the site hashtag, which was quite the thing at the time, very fashionable. And there was a tweet involving the case of a young person, a man, Bouazizi, Mohamed Bouazizi, in Sidi Bouzid, who burned himself alive. And the tweet was communicated, and without any further authorization or ado, it began spreading, and OFA was part of that. Voilà, et là j'ai eu comme un choc, parce que ça va peut-être paraître stupide, mais je ne pensais pas qu'un être humain pouvait se suicider par le feu. Je savais qu'il y avait plusieurs manières de se suicider, mais l'immolation par le feu, c'est la première fois, 28 ans, que je découvrais que c'est une forme de suicide qui existait dans le monde. Shocking to imagine that any human being could actually burn himself or herself alive. It was the first time that she had ever heard of such an incident as a form of suicide. It did not add up in any way to her experience.
Et j'ai pensé quel désespoir peut pousser un être humain à mettre le feu dans son corps comme ça, alors qu'il était vivant. Et c'est à partir que là, de là que mon activisme, peut-être on peut dire ça, mais moi je dis que c'est pas, je me définis pas comme activiste à cette époque-là. À cette époque-là, je faisais partie d'une génération qui s'est retrouvée connectée par un incident avec une autre partie de sa propre société et qui a réagi. C'était réactionnel. Je ne réfléchissais pas à me dire « Ah tiens, là, je vais militer et tout. » Je fais partie de cette génération qui a dit « Stop, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal qu'une partie de la population puisse vivre vraiment très très bien et s'amuser, s'éclater, de ne pas avoir de problème et qu'une autre que d'autres jeunes de notre génération puissent souffrir autant au point de s'immoler par le feu, par désespoir. It was perhaps that occasion that ignited her own activism. She never would have considered herself or called herself an activist or a militant before then, and she found herself connected, actually, for the first time with a huge range of her fellow Tunisian community with whom she had had no contact seriously before. So she sees herself as a member of this generation that came together, that found themselves, and that were that became militant as a result of the case of the immolation of Bouazizi. Est-ce qu'on pourrait même parler maintenant, à partir justement de ce moment de prise de conscience, de votre activité de blogueuse? Oui. Et justement toutes les activités, si on pense la communication, l'engagement. So if we can now start to talk a little bit about how her own work as a blogger began to function from that moment on. Alors, ça a commencé sur Facebook parce qu'en Tunisie, l'utilisation qu'on a de Facebook est très différente de l'utilisation qu'on peut en avoir dans d'autres pays du monde. Je pense que c'était vraiment qu'on est une exception, ou du moins qu'on a été à l'époque une exception. C'est pour ça qu'on appelle aussi la révolution Facebook. Et comme j'avais déjà pas mal de followers, de suiveurs, de par déjà mes activités professionnelles, mais aussi par la radio, donc j'ai commencé à partager toutes les informations, parce que comme vous le savez tous, c'est la censure. Ah, c'est peut-être le moment de montrer. So this is the poster. How would you comment décrire? How would you describe voilà. This? Alors, une des formes militantisme sur Facebook pendant la révolution, c'était de changer sa photo de profil. Alors, tous les Tunisiens en Tunisie ou à l'étranger changeaient leur photo de profil pour dire « on soutient la révolution ». Alors là, vous voyez, il y a le drapeau tunisien, il était partout. Ici, on peut voir par exemple un carré rouge avec marqué dessus « Ben Ali dégage ». On peut voir le masque d'Anonymous, parce que Anonymous a été très très actif pendant la révolution tunisienne. Ils ont piraté tous les sites gouvernementaux, etc. Ici, on a le drapeau en noir qui, pour transmettre exprimer le deuil, vu qu'on a eu pas mal de martyrs déjà au début. Hein. C'est le sang en fait qui a poussé les gens à sortir dans les rues. Voilà, on peut voir plusieurs choses. Et ce que le régime a fait, tellement ça devenait vraiment dérangeant pour le régime d'avoir toutes ces photos de profil chez les utilisateurs tunisiens, et ben ils n'ont pas censuré Facebook, parce que censurer Facebook avec toute cette colère des jeunes pouvait vraiment les pousser dans les rues davantage. Alors ils ont censuré l'option de changement des photos de profil, et pendant une semaine en Tunisie, on n'arrivait même plus à changer sa photo de profil. Trois points de suspension. Voilà. So, this is a representation of all those on Ofriahi's own Facebook page on the day, actually, of the insurrection, the 14th voilà. of January 2011. And the way that many of the subscribers showed their militancy and their support of the insurrection was by changing their profile on Facebook. And that was the context of the game of censorship of the state, because the state did not actually censor Facebook, but it prohibited any change of profile on Facebook of individuals. So here you have
Combien? You have 100 or more who have shown their support by a change of profile on her page. You also see the red Tunisian flag, black flags, and other signs of engagement. Nous avons fait, enfin, j'appelle pas ça une révolution parce que je fais partie des gens qui disent que les révolutions prennent beaucoup de temps. Donc je pense que nous sommes encore en processus révolutionnaire et que la révolution n'est pas encore finie et ça prendra encore beaucoup de temps. Mais on a fait le plus grand pas le 14 janvier, on a mis Ben Ali dehors. Ce qui n'était pas le but ultime de notre mouvement. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en place une réelle démocratie, punir les gens qui avaient fait du mal au peuple tunisien, ceux qui avaient spolié le pays, et puis essayer de construire un nouveau pays avec de nouvelles institutions. Donc, on a dû encore sortir dans les rues et manifester. Et c'est comme ça qu'on a créé ce qui après est devenu dans d'autres pays la place, place Tahrir en Égypte, la place à Tripoli, et puis là, même en Ukraine, ils avaient leur place. Alors nous, ça a été la place de la Kasbah. Trois points de suspension. So, not the real revolution has not taken place yet because she subscribes to the view that it takes an enormous amount of time. We're in the process. It's a dynamic in full swing right now. Yes, we have perhaps launched the first most important step, that is of ousting the dictator Ben Ali, but there is much work still to be done. Et donc, on a continué à occuper les rues à chaque fois avec des demandes différentes. Et il y a eu la Kasbah 2. Et on avait été réprimés. Hein. Et peut-être même que la répression était aussi forte, si ce n'est plus forte que pendant Ben Ali. Parce que Ben Ali est parti, mais son régime était encore là. Et la jeunesse constituait et constitue encore aujourd'hui une menace aux résidus de ce régime. So the repression effect of the ousted dictatorship of Ben Ali is still very much a factor, a structure. And that is why the young people of Tunisia remain extremely vigilant and involved. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes, et je pense à ma collègue sud-africaine, Oli, qui hier, lors d'une table ronde, avait posé une question sur le rapport entre l'activisme et le journalisme. Est-ce qu'on peut être activiste lorsqu'on est journaliste? Et je dirais, peut-être pas en temps normal, mais quand on est en révolution, on ne peut pas être journaliste sans être activiste, c'est impossible. Olfa refers to her colleague Uli, whose last name I'm afraid I don't know. Molohi, who is joining us from Johannesburg. Because of a question that she raised at a roundtable yesterday, what is the relationship, the connection between activism and journalism? And as Olfa responds and thinks with Uli's question, the first sense is that perhaps in normal times, so-called, the connection is not strong or indeed necessary. However, in times of revolution or in politically charged times, she's not so sure that in fact it is necessary. Et c'est là en fait que j'ai commencé à avoir des problèmes à la radio parce que vu que j'étais très active à titre personnel, à participer aux manifestations, à continuer à couvrir tout ce qui se passait, donc sûrement pas encore mon blog, sur Facebook et sur Twitter. Donc les gens commençaient à faire l'amalgame entre la radio et puis ma personne en tant qu'individu qui s'exprimait sur les réseaux sociaux et tout. Alors on commençait à mettre la pression, à me dire de faire attention, à essayer de m'interdire de participer aux manifestations et tout. Alors là, c'est là que j'ai créé mon blog, mon premier blog, et il était anonyme. Je me suis dit, ok, si je ne peux pas m'exprimer avec mon propre nom, je vais m'exprimer sur un blog anonyme et je vais mettre toutes mes idées. Et comme ça, les gens ne sauront pas que c'est moi, mais au moins, je pourrai transmettre mes idées.
point de suspension. It was at that point exactly that she began to have problems and be find herself in a tricky circumstance, politically speaking, particularly because of her Facebook page. And the reason was because of the confusion, the conflation between her individual person and her status, her profile online. As a result, she chose deliberately to begin a blog anonymously. Et en même temps, je commençais à me poser beaucoup de questions sur ce qui se passait dans les coulisses de cette révolution. Et comme je suis de nature très curieuse, donc j'ai commencé à affiner, comme on dit ça en français, et c'est là que j'ai commencé vraiment l'investigation. Je voulais comprendre ce qui se passait et j'ai eu la chance de partir en France pour suivre plusieurs formations en investigation. Donc c'est là que j'ai découvert l'univers du canard enchaîné, par exemple. Voilà, Mediapart, OVNI à l'époque, qui existait encore, qui n'existe plus malheureusement par manque de financement. Voilà, donc je suis partie en France et j'ai suivi une formation accélérée en investigation, en fait. J'avais déjà suivi pas mal de formations pour la radio sur le journalisme, mais jamais de formation spécialisée sur l'investigation. So it was at that point, backstage so-called of the revolution, that she became very interested because of her curiosity in investigating, in finding out actually the terms of the revolution underway. And she was able to go to France and take advantage of a number of internships and other activities at a number of chief investigative journalistic sites, the satirical, long, beloved and notorious Canard Enchaîné, a more recently web-savvy journalistic collective that involves a number of people here at Duke, Mediapart. And there she benefited from a accelerated training, specifically in investigative reporting. Voilà. Et j'ai commencé à... Alors, juste, j'étais très proche du parti qui est devenu, après le parti du président, Marzouki, qui est actuellement notre président. Alors, son parti avait vraiment pu accueillir tous les jeunes de la Révolution qui cherchaient une troisième voie. Parce que en Tunisie, on souffre encore d'une très très forte polarisation et bipolarisation. On a deux pôles. Alors on a le pôle laïque et progressiste, etc. Et on a les islamistes de l'autre côté. Et les jeunes ont cherché à s'engager autrement parce qu'on trouvait que cette polarisation était très très grave et très dangereuse pour notre révolution. Puisque on ne parlait jamais de ce qui a justifié la révolution, qui était l'économie en fait. L'économie, le social, le travail. On était restés coincés dans des questions identitaires, ce qui est tout à fait normal vu qu'on a deux pôles qui sont parfaitement en accord sur leur programme économique, parce qu'on est avec la droite, en présence de la droite libérale, néolibérale, des islamistes et la droite néolibérale progressiste, ils ont quasiment les mêmes programmes économiques. Et nous, on voulait, les jeunes, on cherchait quelqu'un qui parlait d'autre chose. On voulait qu'on nous parle de corruption, de travail, d'emploi, voilà. Trois points de suspension. So, with the president Marzouki, who was, in fact, someone willing to reach out to the youth, there was a critical opportunity. And according to Olfa, Tunisian youth felt framed by two options. We recognized them quickly. The lay secular option and the option that was monopolized by Islamist parties. And there was a real search and desire for a third way, another option politically, specifically in economic terms and social terms, because it was clear in her view that the youth were trapped by questions of identity, and that instead, especially given the right, a middle of the road right, and the fact that there was often just a common economic problem,
a common economic program, the need for a third way was all the more intense, one that would address problems of corruption and specifically problems of work, labor across the workforce. J'étais assez proche en fait du parti du président. Je vous le dis dès maintenant, hein, ça a été une très très grande déception pour tous les jeunes qui ont soutenu ce parti. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse tunisienne est toujours en attente et à la recherche de cette troisième voie. 3 ans après, ça ne vient toujours pas. Donc c'est pour ça qu'on doit encore lutter, se battre pour essayer de sortir de ces deux pôles en fait et d'offrir quelque chose de différent à notre pays. Et au monde, hein, parce que partout pareil. On est toujours dans le même schéma, même si on est dans des démocraties beaucoup plus vieilles. Mais on a toujours ce combat entre conservateurs et puis progressistes, mais qui finalement, sur les termes économiques et sociaux, convergent. Voilà. Donc, so she identifies herself actually as having been a supporter of President Matsuki, but at the same time acknowledging what was an intense disappointment among young people in Tunisia by his actions and policies, and so the need and the ongoing search for a third way specifically in economic terms. Je me demande si on pouvait peut-être commenter rapidement les enquêtes que vous avez poursuivies avant même d'ouvrir la salle et donc aux questions justement de tous nos collègues. So if we could talk maybe a little bit about the particular investigations that you undertook on your blog, and then we'll open it up to questions because there are, I know, many people here who have lots of specific questions that they would love to follow up with you. Alors, l'investigation pour laquelle je suis célèbre un peu partout n'est pas ma première investigation, mais c'est l'investigation qui a été très très vite reprise de mon blog. Bon, je vous passe l'étape où j'ai laissé tomber les médias, les mainstream et les médias traditionnels pour me consacrer justement pour mon blog. Et ce que je fais sur mon blog, ça ne me rapporte pas d'argent. Je ne le fais pas pour l'argent. Donc j'écris sur le blog et c'est tout. Et c'est grâce à mon entreprise que je continue à gérer. Donc moi, je l'avais quittée en décembre 2010 pour me consacrer entièrement à la révolution. Et j'y suis revenue après un an et demi, 2 ans, pour justement pouvoir me financer, financer ma vie quotidienne. Et pour pouvoir écrire d'une manière complètement indépendante et de travailler sur mon blog sans que personne ne me dise sur quoi travailler ou quelle ligne éditoriale avoir. Je pense que c'est un modèle assez intéressant de faire le journalisme, entre guillemets, hein, comme un hobby, juste pour avoir son indépendance. Parce que je pense que le plus grand problème du journalisme, c'est justement l'argent et surtout de l'investigation. So, her first investigation, in fact, broke her kind of work with that of the mainline media's dominating in Tunisia. And she's particularly intent on underscoring the conditions, the working conditions of the blog that she had started at that point when she began her investigations. And in her view, blogs should not be financial operations. They should not be commercial ventures where she is gaining her salary from her blog. On the contrary, she writes by gaining her salary elsewhere, no connection whatsoever with her journalistic and investigative activity. She even goes so far as to call journalism in that logic a hobby in order to maintain its independence. So complete separation from her financing through her translation and multilingual services that she told us about at the beginning, and the blog. Alors, l'investigation pour laquelle je suis célèbre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde le Sheraton Gate. Et en décembre 2012, j'étais déjà en train d'investiguer sur cette affaire.
Et j'étais aussi en train d'investiguer sur la peine de mort. Je participais donc à une investigation de grande ampleur. Pour celle-ci, par contre, j'ai été payée. Et donc, c'était l'organisation Ensemble contre la peine de mort, donc qui a son siège en France et plusieurs bureaux dans le monde, qui voulait profiter de la révolution et de cette ère de liberté, soupçon de liberté, pour pouvoir entrer dans les prisons et investiguer sur, enquêter sur la peine de mort. Et c'est comme ça qu'avec trois autres collègues, nous sommes entrés en immersion en décembre 2012 dans les prisons tunisiennes et plus exactement dans les couloirs de la mort pour nous entretenir sans policiers, ce qui était très très dur mais qu'on a pu obtenir, et donc faire notre enquête sur la peine de mort en Tunisie. Le livre s'appelle Le syndrome de Céline, voilà. Il a déjà été traduit, voilà, alors l'enquête, ça a été fait. Le directeur, c'est Semi Rolbel, qui est un journaliste tunisien établi en France, très très connu. Hela Amal est juriste et photographe. Hayat Toulteni est psychiatre. Et puis moi, en tant que journaliste. Et ce qui est très étrange, c'est que Semi, qui est dans le milieu journalistique depuis deux décennies, je pense, probablement, avait besoin de trouver, il était en France, et il avait besoin de trouver un deuxième journaliste pour faire partie de l'équipe. Et comme je vous l'ai dit, en Tunisie, certains ne reconnaissent pas les gens qui n'ont pas fait l'école de journalisme comme des journalistes. Et donc, il a fait appel à moi parce qu'il suivait mon blog. Il m'a écrit, il m'a dit, écoute, voilà, je veux une équipe pluridisciplinaire. Je lis ton blog, il faut beaucoup d'empathie et de curiosité, mais aussi de solidité pour pouvoir participer à cette enquête. Est-ce que ça te dirait d'intégrer l'équipe? Et j'ai trouvé ça très bizarre, je me suis dit, c'est la première fois. C'était la première fois que quelqu'un de professionnel, qui était journaliste, qui faisait ça matin, midi et soir, reconnaisse mon travail sur mon blog. C'était vraiment quelque chose de très percutant. D'ailleurs, c'est un très très grand ami aujourd'hui. Point de suspension. Oui. So she refers briefly to the first investigation that she launched with that name that echoes for us here, Sheraton Gate, a scandal involving corruption at the highest levels of the government around the Minister of Foreign Affairs. But she spent much more time describing her second, or one of the major investigations around the death penalty in a militant vein, moving towards abolition of the death penalty. This she makes quite clear, she was paid for. She participated in a group, she names them all, the first leader of this group, a fellow journalist, well-regarded, with an audience far extending through Europe and the Americas, a psychiatrist and a lawyer. And what struck Ulfa as extraordinary, and she found it even bizarre, was that Semi Gourbel, the lead journalist, called on her because of her activism on the blog. In other words, in order to establish what he wanted, a pluridisciplinary team, he chose her as someone who was operating in the blog sphere of journalism. Together, the end of 2012, and they spent 3 weeks in several of the chief penitentiaries. They were able to have access to those on death row with whom they conducted interviews without any interference or presence of the police. Et donc, au bout de ces trois semaines, c'était vraiment une expérience très touchante. Entre-temps, j'avais déjà depuis 2 mois entamé mon investigation sur l'autre affaire de corruption du ministre des Affaires étrangères. Et je me rappelle que je discutais avec Semi de ça sans lui donner les détails de mon investigation. Et je lui disais, Semi, écoute, donc on était en prison et tout. Je lui dis, j'ai une très très grosse affaire, je travaille dessus. Je suis à deux doigts d'avoir ce dont j'ai besoin pour la révéler au grand public.
est-ce que tu penses que je peux le faire maintenant? Et il me disait, non, on doit sortir, on doit finir notre investigation dans les prisons, sinon ils ne vont plus jamais nous laisser, parce qu'on avait des autorisations du gouvernement, une autorisation officielle pour entrer dans les prisons. Et il me disait, non, ne le fais pas maintenant, qu'on finisse ces 3 semaines ici, pour qu'on nous bloque plus, on nous bloque pas en fait d'accès aux prisons, et dès qu'on a fini, eh ben, tu sors ce que tu veux sur ton blog. Et donc, on a fini l'investigation pour ce livre le 22 décembre 2010 et j'ai sorti l'affaire Sheraton sur mon blog le 24 décembre. Et quand Sémi me disait non, parce que je lui avais donné juste comme ça un aperçu de l'investigation, et quand il me disait non, ils vont nous interdire l'accès, je ne comprenais pas. Je lui disais, mais Sémi, écoute, c'est que mon blog, quoi. J'ai un truc sur la corruption. Mais Sémi avait déjà anticipé l'ampleur que cette affaire allait prendre, que le Sheraton Gate allait prendre. So Ulfa found herself perhaps in the happy dilemma of pursuing simultaneously, on the one hand, the investigation involving corruption at the highest levels of the Ministry of Foreign Affairs, and the ongoing 3-week-long investigation in the prisons, investigating specifically inequality and the injustice of the death penalty. And she asked Sami, as the lead journalist, listen, I need to do these simultaneously. He said, nope, absolutely not, because he was able to foresee the dimensions, the risky dimensions that the scandal, the political corruption scandal would take, which thereby, given that they had received authorization of the government to enter into the prisons, would have immediately been blocked or shut down. So she conceded the point. And they carried on in order to complete their work on the investigation in the prisons. On the 22nd of December, then on her blog, she brought out the first documentations on the scandal involving financial corruption. And four days later, on the 24th, the initial results of the death penalty investigation were released. Je me demande, vu l'heure, si c'est bien le moment, en effet, de passer aux questions hein, et aux commentaires de différents membres de notre communauté. Why don't we open it up now, because there are lots of different topics and I'm sure many questions that people have, and we'll see where it takes us. Très bien, alors je commence. Tout d'abord, je vous remercie de votre honnêteté. Par rapport à la question de l'élite et du fait que l'élite est aveugle aux problèmes et besoins des pauvres. En plus, pour votre activisme, bien sûr. Alors, vous avez parlé du décalage le rapport entre le journalisme et l'activisme, activisme révolutionnaire. Que vous avez demain, après-demain, on va avoir ici accueillir des révolutionnaires, des artistes d'un peu partout dans le Moyen-Orient qui vont parler de leur expérience dans leur révolution. Et il y a cette question du problème art. Révolution, puisque le titre de cette conférence est le rôle de l'art dans les révolutions du Moyen-Orient. Alors, comment voyez-vous le rôle des artistes dans la révolution tunisienne? Je vais. D'accord. Ok, I just quickly thanked her for her honesty at the beginning, for talking so openly about how. She, as a member of the elite, was blind to the problems in Tunisia, and also for her activism. Day after tomorrow, there will be a conference on the role of art in revolutions in the Middle East, so from Turkey to Tunisia to Egypt, in the last 3 years. And she was talking earlier about the perception that journalism should not be involved in politics, which actually sort of surprises me because I thought that was its role. And
So I was saying that in the conference that we're going to be hosting on Friday and Saturday, the issue is going to be one that I think a lot of people think about, and that is what role does art have in revolutions where people are dying for principles, and where rap, graffiti, literature seems to be a frill? Alors, l'art a été très très important dans la révolution tunisienne et ça l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en Tunisie, les jeunes qui sont le plus persécutés sont les artistes. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la révolution, je n'ai pas eu le temps, peut-être qu'on y reviendra, de parler du passage des islamistes au pouvoir en Tunisie. Et donc la lutte continue, même s'ils ont quitté là depuis 2 mois environ le pouvoir, sur un consensus. Hein. Ils ne sont pas partis comme en Égypte, hein. C'était vraiment consensuel. Attendez un petit peu. Oui. Ok, so I don't know. Oh, are you willing to do this? No, it's up to you. No, I just thought they wanted me to do that. It's okay. Okay. Well, I can't remember what it now. She thinks that art is absolutely crucial for revolution. And the most persecuted were have been the artists. And she said that she had not talked about the fact that there was a new government, which is the Nahda. These are the Islamists. And even though 2 months ago they were voted, ils ont été élus. Ils ont quitté le pouvoir sur un consensus entre l'opposition, le syndical, et puis eux aussi. Hein. Donc ils ont dit OK après une crise qui a duré environ 3 mois. Un blocage. So after a crisis of 3 months, there was a consensus among political parties that Nahda should withdraw from power. That happened 2 months ago. Et donc, pour parler de ce qui était très très important dans notre révolution, était la musique et surtout le rap. Donc, la jeunesse des milieux défavorisés, qui a été justement, c'est ces milieux-là qui ont été le berceau de la révolution, s'exprimait énormément à travers le rap surtout. Et donc, beaucoup de musique et de chansons ont été censurées, hein, parce qu'il faut savoir qu'en Tunisie, même YouTube était censuré avant la révolution. Et d'ailleurs, le 13 janvier 2011, la veille de la fuite de Ben Ali, on a eu droit à son dernier discours. Et la seule solution qu'il avait trouvée, selon lui, pour arrêter cette vague de... c'était de rétablir YouTube. Alors, il était sorti à la télé pour dire « Ok, qu'on arrête, ben, vous savez quoi, il n'y aura plus de censure sur Internet, il n'y aura plus... » Ça, c'était vraiment pour vous dire combien c'était important, les réseaux sociaux dans notre évolution. Alors, oui. Non, bien, allez-y. Je n'ai pas la pratique de Hélène. Rap. Played an important role, and particularly among the poor classes. And it's important to note that there was huge censorship in Tunisia and no access to YouTube. And so on the 13th of January, the night before Ben Ali escaped, he came on to television to announce that anybody could watch YouTube. Which didn't really save him, I guess. et donc, aujourd'hui, on est en train de vivre aussi une sorte, on peut appeler ça comme ça, une révolution artistique qu'on ne ressent pas forcément dans tous les arts, hein, par exemple dans le cinéma, mais qu'on ressent énormément dans la musique à travers le rap, qu'on ressent à travers la photo, parce qu'il y a vraiment une réelle révolution sur le plan de la photographie, et puis l'art de la rue et surtout les graffitis. Et les jeunes rappeurs et les jeunes graphistes ont été persécutés même par les islamistes, parce qu'ils ont continué à exprimer leur
mécontentement et notre mécontentement par rapport à ce qui se passait et par rapport à la tournure que prenait notre révolution. Oui, madame. Non, continue, finissez. D'accord. Et donc, on a un groupe qui est un mouvement qui est très connu en Tunisie qui s'appelle Zouéoula. Alors, Zouéoula, c'est pour dire poor people, les pauvres. Quoi. Zouéoula, c'est dans notre dialecte tunisien, c'est Zaouéli, c'est quelqu'un de très pauvre. Et il y avait ces jeunes qui partaient dans les rues le soir et qui taguaient, taguaient des et ils signaient Z pour Zouéoula, pour dire c'est comme Zorro. Et il y a un groupe de. Oui. And again, I'm not as good as Helen at remembering everything. So for those of you who understand, you can put it in. So what she's saying is they have been experiencing what she's calling an artistic revolution or revolution of art, and the three genres that are most important are rap, photography, and graffiti. And there is this group Zouéla, which means in dialectical Arabic, Tunisian Arabic, means poor. And members of this group, ils chantent. Non, ils taguent. Oh, right, graffiti. Oui, des graffitis. So this Zouéla is a graffiti group who then go from one neighborhood to another, tagging the neighborhoods. Alors, Zorro. Oui. Juste, je termine l'idée pour pas. Certains jeunes de ce mouvement, Zouéoula, parce que ce n'est pas un groupe, hein, c'est tout un mouvement. Alors, ce qui permettait en fait à ce que n'importe quel jeune qui s'identifiait à ces tags puisse lui aussi taguer le message qu'il voulait et signer Z comme ça, anonymement. Et ce qui s'est passé, c'est que les initiateurs de ce mouvement, les jeunes, ont été arrêtés et poursuivis pour atteinte à l'ordre public. Parce que les tags dérangeait tellement, et ça s'est passé après la révolution, donc ils se sont retrouvés en procès, qu'ils ont finalement gagné à la fin, mais ça a été vraiment, toute l'opinion publique était très très intéressée à cette affaire de Zouéoula et de Tag, qui était un moyen d'expression très particulier qu'a créé la jeunesse défavorisée de la Tunisie. Le rap, alors, aujourd'hui est encore, les jeunes rappeurs, beaucoup sont encore persécutés, par contre, par des moments indirects. Ce qui se passe, c'est que vous savez que généralement, tous les rappeurs et généralement les artistes fument des joints, le cannabis, marijuana. Et en Tunisie, ouais, c'est pénal en fait, on n'a pas le droit. La consommation est passible de prison. Et donc, il suffit d'un tout petit test sanguin pour aller en prison. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un dérange en Tunisie, on ne va pas l'arrêter comme faisait avant Ben Ali pour ce qu'il a fait, parce qu'on a eu notre révolution, donc ça ne se fait pas, même face à l'Occident. Mais on va faire le test de consommation de cannabis et arrêter, parce que quand le test est positif, c'est un an de prison d'office. Et aucun juge, il n'y a ni, comme on appelle ça, circonstances atténuantes, ni rien. C'est un an et 1000 dinars d'amende. Et il y a des milliers de jeunes aujourd'hui en prison juste parce qu'ils ont fumé un joint. Et depuis trois semaines, donc une semaine avant mon arrivée ici, il y a un nouveau... Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a un rappeur qui s'appelle Kafan. Kafan est très, très connu pour ses chansons très engagées. Et elle était avant, donc... contre le régime, aujourd'hui contre les islamistes aussi. Et Kafan, il s'est fait arrêter à cause d'un joint. Il a été libéré alors que j'étais ici, en fait, la semaine dernière. Petite pause pour la traduction. Oui, pardon. Yeah, this is it. Please, everybody. No, just as I've left something out. Okay, so Zouéla, what you were saying, is not so much a group, but rather a movement. And so lots of people involved in it. And she describes a way in which people become part of Zouéla, so that if somebody comes to a neighborhood that has been tagged with a Z,
and they agree with the message, then they become part of the movement. Is that right? Okay, good. And so a lot of the members of Zuela have been arrested. But she said that rap singers in particular have been persecuted. But the persecution that happens with them is indirect. So she then explained that to smoke hash is illegal. And that if you're caught smoking hash, you can be arrested and imprisoned for a year. And since the political circumstances have changed over the past 3 years, it's no longer possible, or it's no longer acceptable, for somebody who's made a political statement that goes against the government to be imprisoned. So now the trick is you catch somebody, and a lot of these guys, including somebody that she mentioned, Gaffon, a lot of the rap singers actually are high a lot of the time, and so it's a very easy way to jail them is to say we're going to test you. They do, and then they put them in prison. And Gaffon was arrested, and il a été libéré la semaine dernière. Alors, il était en prison 2 semaines. Non, il a été en prison pendant 9 mois. Okay. So Gaffon, who was one of the most iconic rappers in Tunisia, was arrested for smoking 9 months ago, and he was liberated last week. Voilà. Et dans ce sens, il y a aujourd'hui un nouveau mouvement qui a été créé, donc il y a 3 semaines, 1 mois, qui s'appelle Cégine52, donc hashtag Cégine52, qui veut dire le prisonnier 52. Et c'est en référence à la loi numéro 52 du code pénal, qui justement est en rapport avec la consommation de cannabis en Tunisie. Donc il y a tout un mouvement de jeunes, de militants des droits de l'homme et tout, qui veulent... Enfin, l'objectif, c'est de dépénaliser la consommation, juste pour éviter que des activistes et des artistes aillent en prison à cause d'un joint, mais au moins d'ouvrir un dialogue national par rapport à la question. Donc, une lettre ouverte a été adressée au Premier ministre, à notre nouveau Premier ministre, donc il y a 3 semaines, je pense. Et voilà, c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur en Tunisie depuis 3 semaines. Et ce n'est pas lié juste au fait de vouloir consommer du cannabis, mais c'est plutôt essayer d'abolir une loi qui est des plus répressives au monde, vu qu'elle peut servir à faire taire n'importe quel jeune et n'importe quel artiste. Great. So, out of this has emerged a movement that was established 3 weeks ago, and it's called hashtag 52, and this refers to law 52 of the penal code that is the law that we've just been talking about. And it's opened up a national dialogue on this issue because the people involved perceive this to be the most heinous of these laws, because it gives full liberty to the police to imprison who they wish. There are a variety of questions. Anne, yourself, and then I believe Thomasie. Yes. J'ai une double question, en fait, parce qu'il y a un moment très, très mystérieux. Vous décrivez comme quelqu'un pris par l'idéologie des classes, des élites tunisiennes, et à un moment, il y a un choc qui fait voler en éclats la sorte de bulle dans laquelle vous êtes. Et c'est à l'occasion d'un type que vous ne connaissez pas et qui s'immole par le feu. C'est un tweet qui est relayé par la radio, vous l'entendez à la radio. Ça, la première question, c'est quand même très mystérieux, parce qu'il y a des gens qui s'immolent par le feu de par le monde à peu près tous les jours. Qu'est-ce qui fait que
ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que un tweet, une radio, une émulation qui peut expliquer que it breached, ça a traversé la barrière qui vous séparait? Ça, c'est mystérieux. Bon, je ne sais pas. Mais ma deuxième question est beaucoup plus triviale, elle est, puisqu'on parle donc des révolutions Facebook, de l'importance de YouTube, les pauvres, les très pauvres, ont-ils accès, et comment ont-ils accès à l'Internet? Parce que comment est-ce que ces chansons, comment est-ce que ces morceaux de rap se communiquent à une population qui n'a certainement pas les moyens de s'acheter un ordinateur qui coûte cher, de se payer une connexion Internet à grande capacité de transmission? Donc, à mon avis, il y a autre chose que de la technologie, il y a d'autres circuits de communication, et c'est cela que je voudrais... Il y a des choses en supplément qui me paraissent mystérieuses. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a deux mystères en moi. D'accord. Et en anglais. Ok, in English. In English. So my first question is, there are mysterious elements which I'd like to know about, because you describe yourself as caught in the bubble of the elites, totally separated from the circumstances of the poor, and you describe a moment, you're in your car, you're listening to the radio, someone is talking about something that went through as a tweet. So it's a tweet retransmitted in a radio, and it breaches your bubble. And suddenly something happens, but people immolate themselves, and it's retweeted, and it's radioed, and it's talked about all over the place. What is the difference in that moment? What made it happen? What turned it into an event and not simply another thing in the flow of news? The second thing is, what are the other elements in the circuits of communication? Because the poor, the very poor, certainly cannot afford the computer and the high bandwidth, the big bandwidth, internet communications or internet connection, which would allow them to get on YouTube and catch the latest rap song coming down and being this activist gesture, being this political song. How does it get communicated? How do these divides get breached, abridged? Alors, pour la première question, oui, c'est vraiment étrange. Je l'ai vécu. D'ailleurs, c'est, je pense, le moment où, à chaque fois que j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'arrive à percevoir exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne savais pas, mais réellement, je ne suis pas en train de mentir, je ne savais pas qu'on pouvait s'immoler par le feu. Donc imaginez ce jeune qui nous avait été présenté dans le tweet comme un chômeur qui par désespoir s'immole. Cette image a créé quelque chose en moi. C'est vrai que juste avant, nous avions eu droit à Wikileaks, qui a été aussi un élément très important en fait, parce qu'on avait officiellement, entre guillemets, parce que c'était dit par des câbles diplomatiques, donc d'une manière officielle, nous avions officiellement une confirmation de tout ce qui se racontait dans les cafés, parce que la corruption et tout, oui, les gens parlaient en cafette, en cachette, en chuchotant et tout. Et puis un jour, quelque chose qui s'appelle Wikileaks éclate et on apprend que voilà, tout ce qui se raconte est vrai. Et ça, c'est arrivé en novembre, je pense, 2010, donc juste un mois avant la révolution. Donc oui, il y avait quelque chose, on était vraiment, on se posait des questions. Wikileaks a été censuré. Moi, à la radio, j'en avais parlé une fois, puis après, on est venu me voir pour me dire, écoute, faudrait peut-être éviter de parler trop de Wikileaks. Donc peut-être que toute cette atmosphère a fait qu'au moment d'apprendre pour Oasis et de l'écouter, ça m'a fait quelque chose. Et je voudrais parler d'une toute petite expérience très rapidement. Je pense que ma déconnexion en décembre 2010 ressemble beaucoup à la déconnexion des jeunes que je croise depuis que je suis arrivée à Duke, par exemple, par rapport à Camden. Je suis arrivée il y a une semaine et j'ai eu la chance d'avoir deux amis français qui travaillent sur Camden depuis 5 ans à New Jersey, et par un concours de circonstances, on est parti là-bas pendant 24 heures pour voir un peu leur travail avant de passer à Philadelphie et tout.
Et j'ai découvert ce que je n'ai pas vu aux États-Unis, ni à New York, ni à Washington, ni à Durham. J'ai vu une autre partie des États-Unis. Et j'aurais jamais osé y aller dans ma vie d'avant, jamais. Mais là, je suis vraiment à une étape de ma vie où j'ai envie je suis très curieuse et je ne veux pas passer justement à côté de... Alors je pense que voir autant de pauvreté dans un pays aussi grand, aussi impressionnant de technologie, de richesse, de diversité et tout, et ça on ne le voit pas, ni dans les journaux, ni dans les télés depuis que je suis arrivée. Donc vous me demandiez comment est-ce qu'on peut être déconnecté. Ne pas savoir que je pense qu'on peut l'être comme on est ici, à Duke, déconnecté de Campbell. Ça doit être exactement pareil. Donc, en tant qu'expérience personnelle, c'était très important pour moi d'y aller. Voilà. Et de voir justement ces jeunes rappeurs, ces jeunes sans-papiers, ces pauvres, ces rues complètement... ces maisons. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, l'accès à Internet. On va peut-être traduire. Hein. Ah oui. Man, did you... Oui, okay. The first question. Okay, so on the first question. She says that she remembers this moment of hearing about the relation through fire of this man as a very strange moment, which still affects her each time she thinks again about it. She sees herself again, and she says, literally, I did not know that one could commit suicide by self-immolation, by fire. And it's an image, it's this image which created something and which affected her. Something happened in it. She says, and she mentions, that just before this news of the immolation of Boisici, something had happened, which was, and she describes it as an explosion, an éclatement. L'affaire Wikileaks had exploded into consciousness or in the open just before. And Wikileaks confirmed what everybody knew or was whispering in all of the cafes in Tunis, i.e. it confirmed the corruption, it confirmed all of these things that everyone knew, but then it became objective, in a way. And she says that ever since she has become curious, in a way she cannot go back to a previous stage of oblivion, and when she has, and she mentions in this regard the fact that, you know, after going to New York, to Washington, she went to Camden, where she... New Jersey. Where she discovered that other America, which is not in the news, not the way you imagine or you see or you figure America, with young rappers, with people who are without documentation, people who are extraordinarily poor, and the people one does not see. And she cannot not see them any longer. Et par rapport à l'accès à Internet, alors, la grande contradiction de la dictature et de Ben Ali, c'était qu'il avait toujours envie de paraître aux yeux du monde extérieur et de l'Occident comme quelqu'un d'ouvert et de pas dictateur. Alors, le meilleur moyen de le faire, c'était de s'aligner à ces nouvelles technologies, à être à l'air du temps. Voilà, ok, on a Internet partout, mais après on va censurer, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il fonctionnait pour justement plaire à des chefs d'État qui l'ont soutenu jusqu'à la fin, pour pouvoir avoir les subventions de la Banque mondiale, du FMI. Donc, c'est lui-même qui a décidé, juste après le sommet de l'information, que la Tunisie sera pionnière dans le monde arabe en termes de technologie et tout. Alors, en 2008, ce qu'il faut savoir, on a eu une révolte en 2008 dans le bassin minier. Il y a eu des morts, les revendications étaient exactement les mêmes que celles qu'on a eues pour la révolution de 2010, sauf que quelque chose a manqué en 2008. Et ce qui a manqué justement, c'est ce que vous posiez dans votre question. Vous avez dit, oui, ces pauvres-là, comment ils ont fait? Justement, ces pauvres-là, en 2008, n'avaient pas accès à Internet. Okay. On n'avait pas encore des smartphones. On n'avait pas encore la technologie pour filmer et mettre très facilement sur Facebook quelque chose.
Donc, c'est ce qui a manqué en 2008. Et ces pauvres gens du bassin minier se sont retrouvés parfaitement déconnectés de l'élite, entre guillemets, des parties côtières de la Tunisie. Donc, leur mouvement n'a pas forcément atteint la capitale et touché les gens de la capitale. Alors, en 2010, dans les régions de l'intérieur, à Sidi Bouzid, quand les gens sont sortis dans les rues, quand la police s'est mise à tuer des manifestants, les jeunes, avec des petits portables comme ça, prenaient des photos, prenaient des vidéos et les mettaient sur Facebook. Et c'est la connexion qui s'est faite, bien sûr. Les manifestants sont sortis aussi avec l'aide, par exemple, de la syndicale, l'UGTT, en fait, l'Union syndicale des travailleurs qui a soutenu les mouvements populaires. Et donc, ces jeunes-là mettaient les vidéos des atrocités qu'on ne voyait que sur Facebook. Parce que quand on ouvrait la télé, tout était OK, il n'y avait aucun souci. Alors, des fois, on nous disait que c'était quelques petits terroristes qui essayaient de porter atteinte à l'ordre public. Mais sur Facebook, on arrivait à le voir. Et c'est ce sang, en fait, comme pour moi, l'immolation. Mais après, il y a eu des morts. Et voir ces gens-là, ces corps... Il y a vraiment une transformation hein, chez nous, je pense, à toutes les personnes du monde arabe qui ont vécu ces trois dernières années, on s'habitue au sang, on s'habitue aux images qui choquent, on s'habitue, on voit des crânes exploser, on voit et c'est du sang partout, des gens pleurer, des femmes pleurer leurs enfants. Et c'est cette multitude de matières, en fait, visuelles et parfois même sonores. Hein. Je me rappelle même d'une vidéo où une vieille femme d'un pays de l'intérieur de la Tunisie pleurait son fils. Donc elle était là, elle criait et tout, et elle pleurait, et elle s'adressait à Ben Ali. Elle cherchait quelqu'un pour la filmer, pour envoyer un message à Ben Ali, et lui dire « J'en ai quatre autres, mes fils. Tu as tué celui-là, j'en ai quatre autres. Et les autres sont encore... Et je suis prête à les donner, à offrir leur vie. » Et c'était... Des messages comme ça qui étaient très très puissants, qui ont fait que finalement, dans la capitale, les gens bougent. Et les jeunes, pas que les gens politisés qui étaient opposants au pouvoir depuis très très longtemps, mais nous les jeunes, nous sommes la génération Ben Ali. Moi je suis née en 82 et Ben Ali est venu au pouvoir en 87. Donc, quand je suis née, Bourguiba, des spots éclairés étaient en fin de règne. Et donc, c'était vraiment la dictature. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bourguiba est parti aussi après un soulèvement populaire qui, après, a été récupéré par un coup d'État. Pause de traduction. On partage ou... OK, there's a second question concerning the circuits of communication. She's pointing out or highlighting the contradiction of Ben Ali, who even though, and maybe because he was a dictator, wanted to appear as someone not a dictator and certainly someone modern, and who therefore decided to turn to Tunisia in the Arab world into a pioneer in new technologies, so that there was heavy investment in internet technologies. Internet was to become ubiquitous, even though after that it had to be censored. Okay. The point, of course, was to appear towards the outside and towards Western powers as the modern guy who could reliably be the recipient of World Bank and international and IMF financing. She's mentioning the fact that in 2008, i.e. 2 years before the revolution of 2010, there had been a revolt in the interior of the country, in the mining regions of the country. But it petered out, or it never turned into a revolution, and she believes it's because something was missing, which was provided by the ubiquitous modern means of communication and the new low-cost technologies of communication. And she says that when it changed, these affordances of the technology was a new connection from the interior of the country to the coastal regions and to the capital of the country, and particularly to the elites living on the coasts and in the capital.
Otherwise, there was a fracture between the interior, between the poor and these regions, and these other spaces, both social and geographic. Okay, so what happened at the moment of the repressions in Sidi Bouzid was that people in the poor could, with portable phones, mobile phones, take cheap, quick videos, which could then be uploaded on Facebook. There were also the affordances or the traditional networks embodied in the unions, the UGTT she mentioned, which helped in the communication and the spreading of that news. And then she says, for the first time, because on television and in the censored media you couldn't see a thing, the first time she saw these bodies. That's how she says it. A multitude of visual material and sound matter of material. Even the recording of a woman who was crying because her son had been killed or was dead. And she was looking for someone to record what she was saying, which was an address to Ben Ali, saying, "You killed one of my sons, but I have four more, and I'm willing to sacrifice them to get you out of here." So that's what, you know, erupted and made an eruption in the consciousness of people who have been insulated from these places. And Olfa reminds us that she was born in 1982, and then Ben Ali came into power in 87, so she epitomizes the generation faced with Ben Ali. Et aujourd'hui, en Tunisie, en fait, c'est très important, enfin, parce que je n'ai toujours pas la réponse à votre deuxième question. Parce que, et si je suis aujourd'hui à Duke, je me dis que c'est peut-être aussi l'occasion d'essayer de travailler dessus, de trouver des contacts pour travailler dessus. C'est en fait, qu'est-ce qui fait une révolution? On voit des pauvres partout, des gens opprimés partout. Mais ce n'est pas pour autant que dans chaque pays où il y a des pauvres, il y a une révolution derrière. Donc, quelles sont les connexions? Qu'est-ce qui fait que justement ces pauvres, un jour, parviennent à renverser un régime? Et c'est justement ces connexions-là qui m'intéressent, qui intéressent par exemple mes amis qui travaillent sur Ferndom qui sont français, qui intéressent des amis en Égypte. C'est justement de trouver une sorte de modélisation du processus révolutionnaire. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, les pauvres puissent finalement renverser un régime parce que leur condition n'est pas du tout bonne? Moi, je pense personnellement, et je n'ai pas, c'est une hypothèse, je pense que c'est le jour où cette connexion s'établit entre l'élite et les pauvres. Le jour où l'élite commence à to care, en fait. Et où la séparation, la séparation tombe. Voilà. Et avec un peu d'empathie, je pense qu'on y arrive. Quoi. Voilà. Donc, mais je me pose encore la question, et c'est très intéressant. Je pense que c'est pourquoi on a des révolutions. Comment ça se fait? It's a fascinating question. Translation. Okay, so she's asking herself that question because it's a puzzling question. And coming to Duke and traveling around, she's trying to, maybe she will have an opportunity or she might find ways of conceptualizing it. What makes a revolution? How does it even happen? What does it take for the poor to overthrow a regime of oppression? So she's hoping to find a way to build this model, or to understand this model of revolutionary processes, and she believes it may have to do with the breakdown of the barrier or the separation between the poor and the elites. She says that it might have to do with empathy, or at least the communication of an affect. And she continues to underscore the analogies, which I'm really curious how people in this room respond to, citing the Egyptian case, but also citing the case of Camden, New Jersey, through which she passed, which she discovered and which she sees as a site, perhaps even a hidden site, or certainly not a reported site
of extreme poverty in this country. There were other questions, and I know there are others, but people have already mentioned them. Yes, why don't you go ahead? I'm going to rely on you, Helen, because I want to look at her even though I don't speak. Thank you for coming. Thank you for coming. Welcome to the left. A comment and a question. The comment is, you may want to pursue, for me at least, the roots of American political rap began with a group called The Last Poets. And Gil Scott Heron, recently deceased, and one of his great songs was The Revolution Will Not Be Televised. My question relates to Could you tell us who you are, too, please? Sure. My name is Al McMahon. I live in the neighborhood. I'm not a scholar. I'm part of the public. Great. So, my scholar days are over. What I'm fascinated by about this and its references to the profile pictures is, and it's a question, many symbolic flags, logos, very few photographs, but a few. Does that reflect the fear of retaliation? We know more in the United States as a result of the media about Syria, Crimea, Iran, Libya. Very little media attention to Tunisia, unless I haven't been paying attention. So the question is, what was the reprisal like? And who are these people? Does anyone know? Vous saisissez? Oui, je saisis. Oui, c'est bon. Alors, déjà, je suis très heureuse de savoir qu'il y a du public autre que Dieu qui ici. Il faut sortir l'enceinte. Hein. Oui, je suis honorée. Alors, par rapport à, nous aussi, nous sommes très choqués, et le mot est bien choisi, de voir que la Tunisie ne figure quasiment pas dans la couverture des événements importants du monde par des pays, par exemple, comme les États-Unis. Je pense que la Tunisie a droit à un papier dans le New York Times, peut-être deux fois par an. Et les choses changent et tout. On arrive aux États-Unis, on dit Tunisie, les gens ne savent même pas où ça se situe, alors qu'on est quand même le berceau de quelque chose d'énorme et d'immense qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je pense que c'est dû, entre autres, au fait que nous n'avons pas de pétrole en Tunisie. Nous sommes un très petit pays comparé à l'Égypte, comparé à la Libye, qui sont des pays stratégiquement donc, très bien situés, mais qui en plus ont beaucoup de ressources. Nous, on est un tout petit pays de 12 millions d'habitants, mais on a toujours fait de grandes choses de par l'histoire. C'est pas grave, même si on nous ignore, on a été vraiment le berceau de beaucoup de choses dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la Tunisie, après ce qui s'est passé en Égypte, le coup d'État militaire. Après ce qui s'est passé en Syrie et en Libye, qui bascule dans une guerre civile, beaucoup plus en Syrie qu'en Libye. Alors en Libye, il n'y a pas d'État, pas d'institution, c'est la jungle. Chacun se trimballe avec son arme. Vous allez dans un restaurant, vous allez trouver une affiche ou une corbeille, comme les corbeilles à parapluie aux États-Unis. Please put your arm here, votre calache et tout. Les armes sont intégrées. C'est vraiment très marrant, mais c'est comme ça. Alors, tout le monde. Trois points de suspension. Oui. Et puis à la vraie question. Oui. So she is shocked by news coverage in this country about Tunisia. Where are at least the two articles per annum in the New York Times compared to Egypt, compared to Libya, compared to Syria? They at least have right to that because she sees Tunisia as the birthplace and the cradle of a huge movement in the making. How does she see that lack of coverage, that deliberate
obliviousness. It's about petrol, it's about gas, it's about resources, we and call then, of them course, the larger countries in the Arab world that are so endowed, as a result, attract the intentions. So the 12 million people in Tunisia who are at, in her view, the origin of a major movement are not getting the journalistic respect by main media coverage, citing the case, the emblematic case of the New York Times. There you have Syria, there you have Libya, and she describes how in Libya, of course, sharing a border, you cross the border, and there you find a total jungle where instead of an umbrella holder, you have a receptacle where people are asked to put their arms. So now maybe to the question that he asked, et alors, donc, Don't you mention to her that we call them the fossil fuel fascists? Oui, c'est quoi l'expression? Fossil fuel. Les fachos de pétrole. Ah! Ok, oui, c'est un peu ça, oui. Enfin, et d'autres choses, parce que le pétrole, il n'y en aura plus dans peu de temps. Donc, alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos? Parce que sur Facebook, l'espace pour mettre est très petit. Et donc, on a besoin de logos pour exprimer davantage. Une photo n'est pas aussi remarquable qu'un logo comme ça, rouge. Alors, vous allez voir, il y a du rouge, le drapeau, il y a du noir, le deuil. Et vous allez voir ici, par exemple, il y a quelques bougies. Donc, les gens cherchaient beaucoup plus la symbolique que la photo et l'art photographique en soi. Alors, ces gens-là sont tous des anonymes. Et ce poster a été offert... Tous des comment ? Anonymes. Donc, anonyme, c'est des amis que j'ai sur Facebook. Et l'idée de ce poster vient d'une Française qui vivait en Tunisie pendant la Révolution et que j'ai connue. Et elle m'avait jamais parlé de ce poster, elle l'a offert bien après la Révolution, alors qu'elle avait pris la capture d'écran le jour où Ben Ali était parti, parce qu'elle, elle était en dehors de... Elle avait le recul, la distance nécessaire, vu qu'elle n'était pas tunisienne, donc elle était en Tunisie en tant qu'observatrice, et ça l'avait énormément marqué, cette histoire de photos, quand elle voyait que tous ses contacts tunisiens avaient des photos, des logos comme ça particuliers. Et donc, elle s'est dit, le 14 janvier, la première chose qu'elle a faite, quand Ben Ali est parti, elle a pris des captures d'écran de tous les amis que j'avais sur Facebook, parce que beaucoup de gens révolutionnaires qui s'intéressaient à la révolution étaient connectés à mon profil. Et ça, en fait, il y a des gens qui n'avaient pas le courage. Les gens avaient très peur pendant la révolution. Donc, ils n'avaient pas le courage de l'écrire, ou de dire Ben Ali dégage, ou de descendre dans la rue pour manifester. Ils avaient peur pour leurs enfants. Ils avaient peur pour leur travail, mais cette photo-là, c'était leur seul moyen, ce logo, de dire « on vous soutient », même si on vous soutient en silence, mais on vous soutient quand même. Donc, j'espère que j'ai répondu. Il y a peut-être encore quelque chose, des remarques de plus. D'accord. But what she said is that far more important than photography were the logos and the symbolic register, specifically in colors, the black of grief, the red Tunisian flag, and candles. She was actually given this where a French friend of hers living in Tunisia had had the wit on the day itself of the 14th of January to capture all of the logos and all those who had shown up on her Facebook page. And she thinks that her friend was able to do that because she had some kind of distance from the emotional high and shock of the day itself that she herself did not have. And so perhaps some of these who all emerged anonymously did not have the courage because they were fearful involvement. They were fearful about their children. They were fearful about their work. But they nonetheless insisted on so-called showing up and manifesting their support silently and in anonymous logos. Je crois qu'il y a deux questions. You had one first, and then we will go to Emmanuel. Profil de photo. Pour moi,
Quand j'ai vu les profils de photos sur Facebook, je pense que c'était un essai d'effacer notre identité personnelle et de montrer un visage de solidarité. Et aussi, je pense que les raisons pour les drapeaux étaient une sorte de vote de confiance dans les systèmes démocratiques et dans la République. Et d'appartenance au pays. Et c'est très important parce que... Emmanuel, can you translate your own question, please? It was just a comment about the Facebook profiles. And at the point in time when this was happening, I thought when a lot of people were changing their Facebook profiles, it was a way of erasing your personal identity and showing this face of solidarity to the rest of the world. And also the use of the flags was to sort of also show a vote of confidence in the democratic system and in the Tunisian Republic, I thought. Voilà. Et, je voulais juste dire que s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur le Sheraton Gate, parce que je pense qu'on n'a plus le temps et que c'est quand même un volet assez important. Je veux juste dire qu'en Tunisie, je suis encore poursuivie en justice avec 7 chefs d'inculpation pour la dernière investigation que j'ai faite. Et si c'est la dernière, c'est pas parce que je ne veux plus investiguer, mais c'est parce que cette affaire me prend tout mon temps aujourd'hui par rapport à ses conséquences sur le plan de la justice. Et si je suis en train de faire cette bataille sur le Sheraton Gate parce que j'avais la possibilité de quitter le pays, mais j'ai décidé de rester et d'aller jusqu'au bout de cette guerre avec le ministre et le parti islamique parce que c'est un combat très très important aujourd'hui pour l'indépendance de la justice. Et ça, c'est une autre guerre que nous avons projeté de faire en Tunisie. C'est que, parce qu'on ne peut pas avoir de démocratie sans une justice indépendante. Donc, sans une justice indépendante. She's very aware that people are coming and going, and she simply wanted to underscore the Sheraton Gate, which was the first of her investigations involving the Minister of Foreign Affairs, for which she is still being investigated legally on 7 separate charges. For her, it's still a matter of continuing and going the full distance as far as this investigation goes. She is being investigated. Yes. I'm still. Et les chefs d'accusation vont de la diffamation, ce qui est un peu normal, jusqu'à l'atteinte à l'ordre public. Et on m'a même accusé d'avoir révélé un secret d'État, donc la défense du ministre, parce que justement, alors l'investigation tournait autour de nuit qu'a passé le ministre dans un hôtel à côté de son ministère et qu'il a payé avec l'argent du contribuable. Il y avait aussi, entre guillemets, une affaire de maîtresse, mais ce n'était pas ce qui vraiment m'intéressait, parce qu'il y avait une femme avec lui. Ce qui est très important dans l'affaire, c'est que l'argent qui a servi à payer ses nuits à l'hôtel n'était non seulement celui du contribuable, mais en plus provenait d'un don chinois fait par, donc c'était un don de 1 million de dollars fait par le gouvernement, le ministère du commerce chinois, donc au gouvernement tunisien. Et cet argent devait être mis dans le trésor public, sauf que le ministre a fait en sorte de le faire passer par un compte entre guillemets privé, une sorte de caisse noire. Et il a utilisé cet argent pour faire pas mal de choses. Il le laissait comme ça de côté, comme son argent de poche personnelle. Et il se trouve que ce ministre des Affaires étrangères appartient au parti islamiste. Donc, quand moi j'ai révélé cette affaire, ils étaient au pouvoir, mais qu'il est en plus le gendre de Rachid Ghannouchi, chef du parti islamiste. Donc, il est l'époux de sa fille, la fille de Rachid Ghannouchi. Et donc, l'histoire de la maîtresse a fait beaucoup de bruit aussi. Donc, c'est comme ça que ça fait là un an ou plus que je suis complètement... Alors, j'ai 35 avocats qui, voilà, Dieu merci, le font gratuitement. Ils sont très, très bons. J'ai été interdite de quitter le territoire tunisien pendant 8 mois. Je ne pouvais plus voyager. C'était une petite prison. Ils avaient transformé la Tunisie en prison.
Voilà, je suis convoquée tout le temps pour être entendue. Alors, on a eu une très très bonne nouvelle en janvier dernier, c'est que le ministre a été officiellement inculpé et qu'il risque de 10 à 15 ans de prison. Comme la justice n'est pas vraiment indépendante, alors ils ont fait tout un truc comme ça, administratif, il a fait appel de son inculpation, il a gagné l'appel, sauf que ce matin, j'ai eu mon avocat au téléphone pour me dire que finalement, ils ont modifié la décision. Enfin, c'est tous les jours, en fait, et jusqu'à ce matin, c'était encore d'actualité. Donc, voilà. To summarize, she's giving us all of the details of the ongoing investigation, legal investigation of her personally as a result of her Sherrington Gate exposure. The main charges, no surprise, are defamation, revealing state secrets, and I'm forgetting the American legal term, disturbing the public order. She has 35 lawyers who are investigating her case, supporting her gratis, pro bono. Thus far, it is a year in the process, during which 8 months she was grounded and prohibited from leaving the country. The crux of the scandal is double. On the one hand, it's a sordid, simple sex affair involving a likely mistress of the foreign minister who was put up on the budget of the state in the Sheraton Hotel across from the ministry. But a far more important aspect in her view is the political scandal involving Chinese funding of this minister. And the infamous slush fund that he has at his disposal that is the basis of the corruption. I believe there are a couple of websites in English as well as obviously in Arabic and French that spell out in greater detail. I know that people are needing to leave, and also I'm thinking Olfa for 2 hours has been speaking extemporaneously. So I know there's one last question and maybe one or two others before we round out the session. Thank you so much, Joel. That was fantastic. I just have one question. It's basically sort of procedurally. I was thinking about Gahon, and he's coming out. He's just been released 3 weeks ago. Now, the way you described it, it sounds, it's I'm thinking about probable cause and the whole idea that this gentleman and other people like him can be arrested for using hashish. And I'm wondering, the evidence, is it the possession of the hashish, or are they doing an invasive thing where they are pulling blood samples or urine and saying, oh, you've tested positive for this substance 8 months, and that's what's happening? Yes, no, because he smoked, you know. Alors, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un dérange, les flics débarquent chez lui ou débarquent à une fête où ils savent qu'il va fumer, sachant que les cannabis proviennent de ces circuits-là. C'est les flics qui laissent entrer le cannabis dans le pays. Donc, et ils sont dans tous les réseaux de distribution de cannabis, indirectement. Donc voilà, le système t'offre le cannabis, après tu fumes du cannabis, et si tu es gentil et tout cool, on t'arrête pas et tu peux fumer tous les joints que tu veux. Si par contre, tu écris des chansons ou tu t'exprimes ou tu dis que tu es contre ça ou ça ou ça, on va savoir automatiquement que tu fumes et on va te tester. Comme ça, hein, c'est genre on t'arrête et on te dit voilà, test cannabis. Tu es positif, c'est direct prison. Hein, It's a blood test system, and there are common systematic arrests of Young, and she's taking the case specifically of rappers who are stopped in the street, and a test is administered. But on the spot? They are stopped and subsequently tested both by blood and by urine. Wow. But she underscores that it's a closed system because the cannabis, the hash, comes from the police. So that what goes around comes around, and
The issue is also more the expression than the actual cannabis, right? Wow. I mean, that's what she's saying, is that they're really clamping down on sort of a censorship technique. I mean, isn't that what she was saying? She's saying is the like expression, like, this is the expression is the real problem, right? Yeah, sure. Within a closed system. Yeah. If you are found guilty, what sort of time are you facing? What's likely to happen to you? Alors, face justement à cette enquête juridique, vous faites face à quoi? À des. Qu'est-ce que dans des votre menaces, sort, voilà. Si vous envisagez. Ah, mon sort. Oui, face justement à cette poursuite judiciaire. Alors, normalement, je devrais gagner. Déjà le procès parce que je ne vois pas d'autres résultats possibles. Mais entre temps, faudrait que je reste en vie déjà parce que on a eu deux opposants politiques qui ont été assassinés cette année et je fais partie des gens qui sont sur la liste. Donc il y a des jours comme ça où tu es chez toi et puis il y a les flics qui débarquent et qui te disent voilà, il y a un plan pour t'assassiner et nous on est là pour assurer ta protection et tu sais pas trop en fait si c'est des gentils flics ou si c'est des méchants flics, si tu es dans le truc, enfin c'est très particulier comme on le vit. Alors il y a des moments où je dois informer de tous mes déplacements, où je donne sur une liste les noms des personnes qui viennent chez moi à la maison, parce que sinon les autres ne peuvent pas entrer, ils ne les laissent pas entrer, et où les flics dorment sous mon balcon dans leur voiture, sachant que j'ai refusé une garde rapprochée parce qu'il y a des gens menacés qui circulent avec des gars comme ça cagoulés, tout avec leur mitraillette et tout. Alors moi j'ai refusé de passer ça parce que je suis très discrète comme personne, donc ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc, oui. Trois points de suspension. Normally she should win. Mm-hmm. However, she says that she is on the list. And given that there have been two assassinations recently, it's a very troubling situation. She is under constant surveillance. She chose not to have the most aggressive police surveillance. There are those guarding her and there are those watching her. So she chose not to have the most aggressive bodyguard, which involves constant surveillance by machine gun. Mais c'est ça va, quoi. C'est comme ça dans les révolutions. On a tout ou rien, donc il faut se lâcher jusqu'au bout. C'est très difficile pour ma famille, mes parents et mon frère, parce qu'ils ont tout le temps peur qu'il m'arrive quelque chose et tout. Mais là, je suis très contente. She talks about the toll it is taking on her family, particularly her parents and her brother, who fear for her constantly. Mais je suis très heureuse à Duke parce que j'ai pas de sécurité. Parce que quand j'étais à Strasbourg, parce que la sécurité c'est juste même à l'étranger. Donc quand j'étais à Strasbourg, fallait que je réfléchisse comment je peux sortir sans qu'il me voie. Et on avait constamment quelqu'un avec une arme et tout parce que j'étais accompagnée de la veuve du premier de Chokebiaï. Donc c'est le premier opposant qui a été assassiné en Tunisie. Et donc je suis partie avec sa femme en France, donc on avait une garde très très rapprochée et limite on respire plus quand on a ces gens-là avec nous. Alors là aux États-Unis c'est super parce que je peux bouger et tout, il n'y a personne pour me dire non, faut pas bouger, il n'y a personne pour venir voir les gens et se mettre entre nous quand ils viennent me parler. C'est très dur à vivre au quotidien. The toll it takes to live with bodyguards and under constant surveillance, and one of the marvelous things of being here in the States is not being under watch, not being accompanied by a bodyguard, which was not the case when she went to Strasbourg earlier in the month to participate in a meeting around the World Day for Women, where the surveillance was intense. It's a sober note on which to conclude.
But I think first we have to thank Olfa. And this remarkable community at Duke for this thinking out loud together with her. And I hope that it continues individually with Olfa. There are many opportunities, and I hope everyone knows how that can happen. And with the other media fellows, and it was delightful that you joined us for this occasion. Thank you.